Eh bien salut à tous mes petits biscuits, ici Xion Shiro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 1. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo en conquête, voilà, une vidéo un petit peu détente. Tout simplement, hein, je compte après vous faire une vidéo sur Rainbow Six Siege qui va sortir bientôt également. Et donc voilà, après pour les infos. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour moi, j'ai la forme, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, voilà, donc je voulais vous faire une vidéo, donc c'est un peu en direct, hein, voilà, je joue en même temps. En même temps que je vous parle, je joue, du coup, niveau concentration, ça va pas être au top. Allez, hop, une petite tête pour commencer. Voilà, on commence doucement, hein, j'ai envie de dire. Hein, mais voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, je voulais vous présenter un peu le sniper avec lequel je joue, qui est le sniper... alors je sais plus le nom, mais en tout cas c'est un sniper qui a une mire. Et jouer avec le mire, c'est juste un régal. Je savais pas qu'il existait un sniper avec le mire, j'ai acheté ce sniper un peu à la va-vite si vous voulez. Et il s'est avéré qu'il y avait un mire, alors au début je me suis dit bon, il y a un mire dessus, ça va être chiant. Et en fait non, c'est vachement bien en fait. Jouer avec la mire, c'est juste un régal. Un régal de gameplay tout simplement. Alors par contre c'est vrai que moi déjà que niveau sniper je suis pas très bon. Alors par contre c'est un ennemi qui est là-bas. Non. Alors bon, moi quand je suis en conquête par contre au sniper je joue très rarement les points, hein, on se mette d'accord là-dessus. Je vais jouer assez rarement les points parce que bon, on va dire que jouer les points au sniper c'est comme si vous vouliez vous suicider avec un manche à balai dans le fion, c'est un petit peu la même chose. On est un petit peu sur la même catégorie de suicide. Parce que bon, c'est vrai que jouer les points en sniper... Oh putain. Et ça honnêtement, mais tu peux pas t'y attendre ça. Hein. Donc voilà, c'est vraiment foncer dans le tas pour rien. Putain, ils sont en train de prendre tous les points, c'est une horreur quoi. Ah non, on est en train de prendre B. Je vais essayer de les aider à prendre B parce que... Ils ont l'air de bloquer les points. Ah, il y en a deux. Voilà. Ah non, mais le sniper au mire, c'est bien parce que quand vous visez un ennemi, ça va l'ajuster automatiquement. Pas comme si vous aviez un viseur. Ça l'ajuste automatiquement. Du coup, ça augmente tout simplement la facilité. Par contre, ouais, ils sont tous sur B. Ils sont tous en train de prendre des points. Balance une grenade par là, avec un peu de chance ça passe. Hop, une tête, une double élimination en plus. Merde. Ah merde, je l'ai pas vu. Il était plongé un peu dans le noir. Mais là je suis content, putain, j'ai fait une double élimination. Donc je fais du 4-2. Donc ça va, on commence tranquillement. J'aime bien cette map en plus, hein, pour le sniper, c'est vrai que... C'est vrai qu'en conquête cette map elle est bien. Après ça dépend vraiment des maps en fait, hein. Parce qu'il y aura des maps où, en conquête ça va être terrible. Ensuite vous prenez la même map genre en match à mort par équipe ou en pigeon de guerre, mais vous allez vous faire mais exploser la tronche clairement, hein. On peut le dire, vous allez vous faire mais dilapider quand même. C'est sûr que là à ce moment là vous... Et après c'est l'inverse, ça peut être l'inverse. Des maps en conquête où vous vous faites exploser, des maps en match à mort où ça se passe vachement bien. Je le touche pas. Voilà. Je vais essayer de pas parler parce qu'il faut que je me concentre un peu quand même. Ouais. On l'a pillé.
J'essaie de mettre une tête de... Ah, j'ai touché. Élimination. Assistance qui joue. Élimination. Ouais. Vraiment, pas foncer dans le tas. Essayer de rester éloigné un petit peu. Et de les tuer de loin. Parce que même avec la mire, de loin, vous êtes vraiment précis. Regardez. Ah, je l'ai touché. Alors, reste loin. On est bien à distance. Hein. On balance une grenade quand même. La grenade n'a tué personne. Ah, balle! Là, par contre, le problème c'est qu'au sniper, niveau pour ajuster les ennemis et tout, je suis vachement lent. J'ai pas beaucoup de rapidité. Assistance. J'ai plus beaucoup de balles par contre. Voilà, tranquille. Le MLE 1903, donc c'est le pistolet que j'utilise. Oh putain, par contre, là je me suis pris une explosion de ouf. Alors il me reste 7 balles. Pour l'info, il me reste quasiment plus rien. Ah merde. Un sniper qui m'a déboîté. Bon, en même temps c'est pas plus mal, j'avais plus de balles du tout. J'aurais pu, après je change d'arme. Hein. Que ce soit sniper ou pas, dès que j'ai plus de balles, je change d'arme direct. Je cherche pas forcément compliqué, c'est bon, ça on a repris la majorité des points. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, on va continuer comme ça. Alors on va avancer un petit peu parce qu'on est un petit peu loin de... des ennemis. Là, là. Je sais pas si on est mis. De loin par contre avec la mire on a du mal à voir. Faut avoir une vision de ouf. Oh putain. Oh putain. Ouais bah non en fait. Je reste pas là. Mais putain, mais il m'a vu quoi. Ouais en même temps. Putain, pourtant il y avait la caisse devant moi et tout. 9-4. Bon. Je pense que je vais pas chercher compliqué au niveau du ratio. Honnêtement, je vais juste essayer de vous proposer un bon gameplay, vous voyez. Je crois qu'il y avait un ennemi sur la gauche. Je vais essayer de rester un peu éloigné. Tout droit. Le problème, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'endroits où se protéger au final. Mais ça parle. Je sais pas si c'est les langues à toi, parce que bon, c'est pas du tout les mêmes pays qui s'affrontent. En même temps, c'est un petit peu normal, vous me direz. Non. Non 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 non. We have taken objective butter. Là-bas. Yes. Attends, je suis une... We have lost objective button. Donc là, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Par
contre j'hésite à avancer. Oh putain le char. Le char. Dans la tête. Ah putain. Non, je suis du 12-4. Attends, je suis en pleine vidéo en fait. Bah oui. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Donc 12-5, ça va. On fait du 12-5. Mec, j'ai un sniper. C'est le meilleur avec lequel j'ai joué. En gros, c'est un sniper mais avec une mire, tu vois. Halfway there, we have the upper hand. Alors. Là, ennemi. J'essaie de m'approcher un peu. Mais putain, j'ai pas le temps. Pas le temps de le tirer dessus, de sortir le deuxième arme. Bon, on est en train de gagner, ça c'est bon. Ouais. Ça c'est bon ça. Ah, il fait de la merde. Alors. Non, ça va, là, je fais du 12-6. We have lost objective Edward. Je sais même pas quelle heure il a commencé. Ouais, bah ouais. 10h. Oh, le chat. Ouais. Je sais pourquoi il s'est levé tout seul. Non, bah non, je suis sniper. Bon bah je reste couché. Ouais mais là il y a juste ma tête qui sort, il a juste à tirer une tête. Ah non, mais c'est fait avoir. Là. Oh putain. On va aller sur A. We have lost objective. Merde, putain. On va choper le point A. On va essayer d'aider nos collègues à choper le point A. Oh, ça va nous rapporter des points. Oh putain! Pas mal de points là, c'est bon ça. C'est bon. Par contre, on a perdu C. Ça veut dire que tous les ennemis sont sur C. Au moins la plupart.
Ils ont vu qu'on avait chopé A, du coup ils vont s'empresser d'aller sur A. Sur quelle vidéo? Non. Oh bâtard, 3600, putain, on a buzzé de ouf en vrai. Truc de ouf. 3000 vues quand même. Putain, on a géré sur cette vidéo. Moi, je te jure. We have taken objective Duff. Putain, il est là. Oh putain, mais il était où? Derrière. Oh, puis ils sont trois derrière. Tu peux pas riposter. Je vais chercher ton ordinateur. Non. Bah descends avec elle au pire. Et tu me poses sur le canapé. Ah ouais, mais tu fumes pas et puis c'est tout. Ah mec. Ouais. Ah. Oh putain. Je suis resté là, je suis bien. Bonne vue. Je sais pas d'où viennent les ennemis. Ça c'est chiant. En fait non. Les ennemis sont plus loin encore vu qu'on a déjà les points de devant. Que faire? Que faire? Avancer. Oui, ça peut être une solution. Là je tire à vous. Non. Être en charge. Oh putain, il y a un sniper là. Oh le bâtard. Bah avec la lumière de son truc. Moi ce qui est bien c'est que j'ai pas de lumière, tu vois. Parce que j'ai pas de viseur. J'ai un mire. Bah oui. Enfin je crois pas que j'ai de la lumière, hein. Je pense pas. Parce que si c'est la lumière de la lunette du viseur là. Pas. Après ça se trouve c'est un ennemi ça. Je pense pas. Non, attention. Il est mort. Mais avec la lumière, je t'ai dit. Et puis il était là tout à l'heure, c'est le même gars tout à l'heure qui m'a. C'est le gars qui m'a foutu la balle. Je l'ai déboîté non. Toi t'es mort. Ah bâtard. Dommage, là j'aurais fait une petite double, j'aurais été content. J'étais presque. Ah, assistance élimination, bah ça compte comme une double. C'est bon ça. Du coup je fais du 17-8, c'est bon ça. Ouais mais je t'ai dit, ce sniper il est trop bien. Le meilleur sniper du jeu. Non. Je pense pas, j'espère pas. Parce que là je sais pas trop où ils sont. En plus il y a le train ennemi là. Ça va être chiant. Ah, oh. Ah, ah je me suis fait. Ouais. Putain, clairement. Ah je fais du 19-9, je suis bon là. Je suis bon là, n'empêche, 19-9. Train has arrived.
Oh, putain, on est en train de prendre B, c'est bon ça. C'est pas aujourd'hui qu'elle doit partir plus tôt cet après-midi, je sais pas quoi. Demain. Non. Ah putain. Bah en même temps tu veux que je fasse quoi? Bah ouais, je sais bon. T'es juste à côté que t'as pas vu. Si, il m'avait vu. Je suis arrivé devant lui. Ouais bah ouais. J'ai pas le réflexe. Alors. Le seul jeu où j'ai eu le réflexe du cut, c'était sur Black Ops 1. Ouais, le cut était tellement facile que. J'ai pris une balle là encore. M'a enlevé les trois quarts de la vie. C'est chiant. Oh le con. Putain mais wesh, mais le mec il arrive comme ça au calme, comment tu veux que je le voie? Putain. Merde. 19-11. Putain, on est en train de les déboîter sec, n'empêche. Ça c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Ah. Pourquoi je le touche pas? Putain, mais wesh. Non. Je suis en plein sur lui. J'ai dit non, hein. Oh, tu peux l'acheter, il est pas cher, hein. il coûte 10 balles le jeu. Bah écoute, ouais si c'est ça. En plus c'est ça fait comme Xenoverse, tu vois, t'as un endroit où tu peux aller, tu sais, genre. Un endroit c'est un peu la base, tu vois, c'est comment dire, c'est un peu le QG, tu vois. Non. Ouais. Putain, toi t'es bon. Ouais. Apparemment les parents ils ont pas aimé ce film là. Ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Bon les gens, petit défi. Faire une bonne partie sur cette map, parce qu'il faut savoir que cette map c'est la pire map que l'on connaisse. Je peux me laisser un message. Voilà. Dédicace à ma junior. Et du coup Montegrappa c'est la pire map. Est-ce qu'on est au cimetière? Ah oui, on est au cimetière, tiens. Bon bah on se retrouve dans une heure les gars. Donc du coup voilà, faire une bonne partie sur cette map. Du moins essayer. Ce sera le défi. Parce que c'est une map sur laquelle on fait tout le temps des parties de merde. Et si j'arrive à faire une bonne partie mon gars. Là je suis trop fort, tu vois. Mec il est en train de défoncer la porte. Il va aller. Et ensuite il ira à retour. Oh putain, des avions. Bon, tu vas voir. On va faire une putain de partie là.
Je vais défoncer le game. Mais je pense qu'avec ce sniper, il y a moyen de faire un bon truc. Je pense. Je suis pas sûr. Un périmètre de game. Dégoué. Allez, on va sur B. Donc les gens, si vous entendez ce qu'il y a à côté, c'est mon frère. Je mettrai le lien de sa chaîne en vidéo d'ailleurs, parce que bon, lui aussi a une chaîne YouTube, c'est Ma Junior. Lui il fait des vidéos essentiellement sur Naruto Storm 4. Oh d'accord, bah génial. Des vidéos essentiellement sur Storm 4. Et puis voilà, c'est... Là il vient d'arriver tout simplement. Il était avec moi. Et donc du coup voilà, petite dédicace à lui. Reste là. Voilà. Oh. Mais t'es debout là. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh putain de merde. Regarde comment elle est. Oh bâtard, était couché. Même pas vu. Cahouette. Ça c'est stylé. Putain de musique ça. Allez, bien joué. Joué. Là, oui, du 1-2 je fais. J'ai fait un kill ici. C'est bon ça. Alors, continuons. Donc on va aller sur DE. Des endroits qui ne sont pas pris. Donc des endroits où les ennemis peuvent potentiellement réapparaître si jamais le décès venait à arriver pour eux. Eh, non, non, tu montes pas, tu montes pas. Eh, oh, oh, tu descends, tu descends. Attends. Non, mais non. Bon, bah, reste debout si tu veux. Alors, toi, niveau chiant, t'es bon, toi. Hein. Ah, ennemi là-bas. Non, maman, elle est pas là. Oh putain. Oh, bâtard. Pas rester là. J'ai plus 12 de vie, s'il te plaît. Quoi? T'es... Non, non, par contre là, t'es assis sur le fil, là, tu vois. Parce que ma manette, elle est branchée, elle est en train de recharger. Toi, tu t'assois sur le fil comme ça. La feuille se débrancher, le bordel. Wesh, par contre, ils sont les ennemis là. Non, par contre tu fais un sacré bruit là quand même. C'est assez horrible. Alors... Putain. Honnêtement, faut que j'essaie de faire une bonne partie. Mais wesh. We have taken objective Charlie. Par contre, là honnêtement, mais j'ai peur d'avancer, j'ai peur des ennemis en fait. On sait pas sur qui on peut tomber à chaque fois. À chaque fois, il peut y avoir un ennemi dans notre dos. Et on se fait avoir. C'est clairement relou là. Quoi? Oh oui. Merde. On va
Voilà la tourelle de Sandroco. Tu fais quoi là? Oh, on a fait un kill les amis. Ça j'ai entendu trancher là. Et voilà. Évidemment pas de chance. Eh, tu fais quoi là? Non, tu touches pas à ça. Tu touches pas. Voilà. Donc, on réapparaît sur C, c'est pas mal. Wow, ça tu m'as fait peur. On va traverser là. Ouais, en gros pour sortir, on est obligé de passer par là. Oh putain. Wesh. Oh putain. Ah non mais je vous jure les amis, mais j'ai horreur de cette map, c'est un truc mais vous pouvez même pas imaginer quoi. Mais je déteste cette map, mais à un point. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer l'arme là? Parce que... même pas. Ça fait quoi si j'enlève la baïonnette? Ça fait rien. Non, ça par contre tu touches pas, c'est vachement dangereux ça, tu vois. T'en as pas marre de toucher à tout toi? Putain, quand votre nièce, qui a même pas, qui a un an, qui touche à tout. Eh, c'est bon, c'est bon. Oh putain, ennemi! Ouh! Il m'a même pas vu. Putain, j'arrive même pas à la voir! Viens là! Il est où? Là. Non, pas là. Là. Oh, mais wesh! Putain! Je l'avais! Putain, il lui restait 25 de vie, quoi! Puis je chie ma balle, mais comme un autiste, quoi! Eh, hey, mais toi, mais. Attends! Bof! Ah là 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 là! Touche à tout, touche à tout! C'est chiant! Puis évidemment, je respawn au meilleur endroit possible. Allez, débloque et ouvre! Putain, il m'a fait peur ce con, je crois que c'était un ennemi! Mais oui, ça m'énerve. Mec, je lui mets une balle, ensuite je le retrouve, je chie ma balle, il me tue. Pourtant, il restait plus rien. C'est ce que je me disais. Ouais. Osef. 11h30. Oh, une balle arrivée. We are losing objective Butter. We have taken objective Charlie. Oh. Et ben voilà. Bien joué. J'aime pas cette map. Elle est chiante. Je fais du 6-2 là. Du 2-6. Mais si, du 2-6, tu mets les éliminations en premier. Et les morts en dernier. Comme moi je suis mort. Bah. Ok, ouais, t'es crash. Parce que le mire c'est terrible. Ouais bah je vais essayer de prendre le sniper parce que ce sniper tu peux pas mettre de visée. Oh. Mais non derrière c'est hors zone. Ouais, je vais le point. J'essaie de prendre des points déjà que j'en ai pas beaucoup. Ouais, putain, je me cache là. Ouais. T'as tout le monde qui tombe. Toi, tu sais que c'est là, quand tu vois tout le monde qui commence à crever, c'est que tu sais que toi t'es sur la liste.
Oh. Putain, mais wesh. Qu'est-ce que je vais faire là? Allez. Ou quoi? Ouais, mais je peux reprendre ça. Tu sais, des fois tu peux faire des trucs stylés, genre double triangle et tout. Comme ça, hop, tu vois. Ouais, ouais. Ah oui. T'es mort. Ça tire derrière. Ah oui, le char. Oh putain, moi j'avance vers le char au calme. Ouais, je suis en train de prendre le point C. On va être là, on est bien. Là, dans le coin. Ouais, évidemment, je savais que ça allait... Oh. Ah, on va nickel alors, tant mieux. Tant mieux, putain. Oh, je l'ai touché. Oh yes, assistance. Ah, ça commence à aller mieux déjà. Non. Enfin, je fais du 6-4. Oh, oh putain, mais j'ai pas de chance. Mec, il est devant moi, je lui fous une balle, je vise même pas. Hit marker, ouais. Putain. Le pire, c'est qu'on gagne en plus. Putain. Ouais, c'est bon. Ah mais c'est chiant, mais les 8 marqueurs t'en fais tout le temps sur ce jeu. Oh putain, là tu sais que tu vas crever. C'est chiant. Oui. T'as vu, il y a beaucoup de gens qui essayent de le détruire. Mais il faut beaucoup de trucs pour le détruire, regarde. Parce que tu sais, en haut à droite, t'as sa vie. Et merde, c'est bug. Ça, mais je le touche même pas. Ouais, je l'ai eu. Enfin. Allez. Ah, vider toutes ces balles sur un ennemi, c'est chiant. Ah! Ça m'énerve! Putain, mais on dirait un handicapé là! Merci. Ça passe. We are losing objective Charlie. We have taken objective apples. Okay. Oh, dans le dos. Oh, dans le dos. Dans le dos. Il est où? Tu te tires dans le dos, tu te retournes, il n'y a personne. Donc en gros, il y a un gate à tirer.
pilote disparu. Oh. Yes. Putain, kill. Kill. Alors attends, je suis à... Ah, je suis remonté. Non, non. Je fais du 8-7. Enfin, du 7-8. À moins que quelqu'un vienne me réanimer, mais aucun. Je tombe. On est en train de gagner, on a une belle avance. Allez sur B. Oui. T'es mort. Allez ton. Ah ouais. Comment elle a fait? Ah ouais. Oh putain. Attends, il y a un ennemi dans le truc. Non, il m'aura pas. Ah bon, pas bien. Ouais. T'es mort. Oh. T'es mort. Là je crois que je suis remonté en positif, oui je fais du 19. Je suis remonté, c'est bon. Attends. 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 Putain mais d'où je l'ai pas touché? Ouais mais il y a un ennemi qui va arriver, il va l'être délogé. Ouais, je les ai pas eu. Il les a tués avant. C'est pas bon, non, assistance élimination, c'est bon. Il est mort. Ouais, ça vaut l'élimination, ça sauve. Là, je fais du 11-9, c'est bon. Je suis remonté en positif, c'est bon, mon objectif. Mon défi est en train d'être gagné pour l'instant. Je suis en positif, et en plus, on est en train de gagner. Oh putain! Ah bâtard, putain j'allais le niquer. Putain ils sont deux quoi, ils sont deux. Mec je l'avais touché déjà. Je suis deg. Putain pourquoi je réapparais de là loin aussi du point. Mais wesh, il m'a mis une tête! Le mec, il m'a mis une tête de l'ouvlan! Merci, il m'a réanimé, putain, ouais. Il va m'en remettre une. Oh! 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 Je peux pas mourir! Je suis en positif, cassez-moi les couilles! Oui, je l'ai vu. Mais je le vois plus. Putain, wesh.
T'as un peu marre d'être derrière les murs, regarde, je peux rien faire, à chaque fois il est derrière les rochers. Ça sert à rien, je l'ai touché. Oh! J'avoue, j'ai de la chance. La balle de l'autre sniper connard là. Mais ouais, je suis bloqué par le caillou. Allez, on se casse, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, nickel, de la santé. La santé, c'est ce que je veux, putain. Ah, c'est ça mon gars. Putain. Tape, il y a mes alliés derrière lui, mais il le voit pas. Ouais, mais oui, mais du coup ça m'aurait donné une assistance. Mais putain. We are losing objective dust. Oh putain, je l'ai pas vu lui. T'es couché. Ah. Ah. Putain, j'ai chaud. Allez, je vais là. Je suis bien là. Oh, moi, je suis bien là. Je crois qu'il y a encore des ennemis. Putain, mais ouais, mais il y a de la fumée aussi. Oh, tu meurs. Ouais. Allez, 4-4-4. Wesh, il est mort comment lui? Ah. Putain, mais il est caché. Ouais, puis là. Putain, mais il y a un allié derrière l'ennemi, il est en train de loucher quoi. Oh non, mais sérieux. Mec, t'as un ennemi, il est derrière lui là. En train de cuter, t'as vu de tirer au. Oh oh. Mais putain. Mais non, mais sérieux. Bon, je suis toujours en positif, je fais du 15-13. Allez, on va gagner. Et puis ensuite, fin de la partie, ce sera la fin de cette vidéo. Et ce sera good. Bon, ça va, j'ai quand même fait du bon. Oui. Putain, mais ouais, je mets... Et ça, tu veux que je fasse quoi? Je réapparais sur le point. T'as deux connards d'un côté, t'es obligé de crever. Encore, j'ai eu de la chance de les voir parce que tu les vois pas sinon. C'est la surprise, le bordel. Bon. T'es mort. Quand l'ennemi se couche, tu sais qu'il a plus de vie. Hein. Voilà, on finit sur un décès. Bon, on a gagné quand même. Et j'ai fait du positif, du coup. Défi gagné, j'ai fait du 16-14. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si cela n'est pas fait. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.